Salut tout le monde, c'est Snipey44 et je suis ici aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur Mister Nuts. Alors, j'ai envie de faire une vidéo commentée. Et vu que je suis toujours sur mon PC portable et que je n'ai toujours pas récupéré mon nouveau processeur, eh ben, je suis obligé de faire des vidéos sur des petits jeux comme celui-ci. Donc, il est sorti sur Super Nintendo et il avait eu un grand succès, je dirais, à sa sortie. Donc c'est un jeu de plateforme, comme vous allez le voir. Et on incarne un écureuil. Alors, les touches, c'est simple. Alors, on peut donner des coups de queue. Attention, les vilains jeux de mots. Donc, les coups de queue permettent d'éliminer ses ennemis. Sinon, on peut leur sauter dessus, comme dans un Mario, tout simplement. Alors, le scénario, je vous avoue que je ne le connais pas vraiment. Parce que le jeu, enfin, il n'y a pas vraiment de scénario, je crois. Enfin, il doit y en avoir, mais bon, je ne le connais pas en tout cas. Mis à part ça, le jeu graphiquement n'est pas vilain. Ça va, on a vu pire, surtout sur Super NES. Pour récupérer ça. Moi, le jeu, je l'avais jamais eu à l'époque. Enfin, je l'ai jamais acheté. Mais à chaque fois que j'allais chez des potes, ben, les potes avaient ce jeu. Donc, peut-être qu'il y avait un bundle où le jeu était vendu avec la console. Je sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de potes avaient ce jeu à l'époque. Un petit temps de chargement. Ah, on dirait les plantes de Mario. Tiens. Tu peux en sauter dessus, elle? Ça, voilà. On dirait vraiment les plantes de Mario, quoi. On peut pas les tuer avec ça. Mis à part ça, je voulais vous demander si vous aviez envie de voir des vidéos sur des vieux jeux en attendant que je récupère mon processeur. D'ailleurs, je vous avais dit que je le récupérerais le 5 février, mais il va y avoir un peu de retard. Parce que bah, ça fait 2 semaines que je ne travaille plus, donc financièrement ça va être compliqué. J'ai pu commander la carte mère comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, sur le groupe Facebook. D'ailleurs, je vous encourage à rejoindre le groupe Facebook si vous ne l'avez pas fait. Parce que je poste pas mal de choses, de photos, on discute entre nous sur le groupe en fait. Hein. Voilà. Le jeu est. Je pensais qu'il était simple, mais apparemment il est pas si simple que ça. Là il me reste que une énergie. Ça va être chaud. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Donc oui, si vous aviez envie de voir des jeux, par exemple, tourner sur Game Boy Color, Game Boy Advance, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64 à la rigueur, et peut-être aussi PlayStation 1, faut que je teste. Bah, je vous invite à me le faire savoir, soit en commentant cette vidéo, soit en me le disant sur le groupe Facebook. Mais je pense qu'en attendant d'avoir le processeur, je vais faire des petites vidéos comme ça. Sûrement commenter d'ailleurs, ça aura un petit peu plus d'intérêt. Ah, mais c'est pas vrai. Est-ce que je vais y arriver? Oh là là. Oh, mais il y en a de partout! Bon, allez, la prochaine, c'est la bonne. Les musiques du jeu sont pas mal, je trouve. Bon, là il va y avoir des saloperies d'abeilles. Elles sont pas là. C'est peut-être plus loin. Faut pas sprinter.
Est-ce qu'on peut sprinter, monsieur l'écureuil? Apparemment non. Sinon, oui, aussi avec Cyric 2, on avait commencé à faire Splinter Cell. Il nous restait qu'un niveau à faire en multiplayer. On attend que j'aie mon processeur pour faire la fin de cette vidéo. En attendant, je vous invite à aller voir sa chaîne car on a fait une vidéo en dual commentary. Et on joue en coopération aussi. À Saints Row, le troisième. Et puis on s'est bien amusé, franchement. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui est sur sa chaîne. Je vous mets le lien de sa chaîne. Putain, c'est pas vrai. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Alors, vous pensez que je vais y arriver? Oh putain, mais non. Ah, vas-y, la plante de la fin, quoi. J'espère que ce jeu vous rappellera des souvenirs pour les plus anciens et pour les nouveaux. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de découvrir ce jeu. Parce que je pense que si le jeu a eu un franc succès à l'époque, ce n'est pas pour rien. C'est vrai que le jeu, je le trouve... En fait, je le trouve pas dynamique. Comparé à un Mario, etc. Je sais pas pourquoi. Les animations sont jolies, etc. Pourtant. Peut-être... une fée. Ah ! C'est quoi ce truc ? Ah ! Putain d'enfoiré. Sérieux, ça ressemble à rien. Ça me fait penser d'ailleurs au hack. Je vous ferai peut-être une vidéo de ce hack d'un Sonic qui a été fait sur Super Nintendo, mais c'est pas un jeu officiel, hein, je vous le dis tout de suite. Ça me fait penser vachement à Sonic. La platitude en fait du jeu. Pourtant le jeu il est pas mauvais hein, mais je sais pas. Oh merde. En tout cas le personnage est très très maniable. Ça y a pas à dire. Donc si vous avez envie de me voir sur un jeu plutôt d'ancienne génération. Ou même un jeu PC qui est vraiment pas gourmand du tout quoi. Je pourrais essayer de vous faire ça. Pour les jeux PC, je dis bien salopard. Je dis bien essayer parce que le PC portable c'est pas une flèche. Si vous voulez, j'ai un i7 mais le chipset graphique est un peu pourri. Heureusement que c'est un PC que j'ai gagné et que j'ai pas acheté. Sans moi, les PC portables, je n'en veux plus. Si vous voulez, j'en ai eu pas mal et à chaque fois j'avais des problèmes. Au bout d'un an, au bout de deux ans. Enfin, c'est pas des PC durables pour le prix que ça coûte. À mes yeux, hein. Après un PC portable, c'est sûr que c'est pas fait pour être utilisé comme un PC de bureau. Oh là, qu'est-ce que je fais? J'aurais besoin d'énergie, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Il suffit de demander. Par contre, je vous avoue que là, je ne sais pas du tout où je vais. On va sauter dans le vide. Hein. Oh putain, le con. Allez. Oh putain, tu fous que j'allais mourir. Non, toi, tu vas pas m'avoir. Violent ces petits trucs. Allez sauter là. Oh. Oh fuck. Vous m'aurez pas. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il me dit?
crois pas que... Oh, oh putain, la chance. La fin est peut-être dans les airs, donc... Oh non, non, putain. Ah, oh, faut que je remonte tout, bordel. Et les monstres y reviennent en plus. Mais non, mais comment? Bon. Il s'agit de pas faire le con. Si je perds. Je continue parce que j'ai pas le temps de finir ma phrase. J'allais dire si je perds, ben je vous laisse. Je vous laisse sur cette fin minable. Mais vu que j'ai pas eu le temps de terminer, on va continuer. Quoi, recommence tout à zéro? Oh mon dieu. Ouais, bon, bah je vais vous laisser là plutôt. Voilà, Écureuil est content, il vous dit au revoir. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.